Le Bitcoin fonctionne par cycle. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné et vous allez voir avec moi que le fait de connaître ces cycles à l'avance peut vraiment vous permettre de faire la différence, de savoir quand acheter au meilleur moment pour réaliser vraiment les meilleures performances et à l'inverse savoir quand vendre aussi évidemment pour éviter de se prendre une énorme baffe puisque quand on parle de cycle, on parle de cycle haussier, mais on parle aussi de cycle baissier et ça tombe bien parce que dans cette émission, je vais vous présenter tous les cycles du Bitcoin, je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que vous de votre côté, vous pouvez les utiliser afin de savoir quand acheter et quand vendre. Et je vais aussi évidemment vous présenter les cycles psychologiques du marché crypto-monnaie. Donc, un tas d'informations qui vont vraiment vous permettre d'avoir des meilleurs résultats sur le marché crypto et de faire en sorte de devenir un investisseur intelligent. Donc, comme d'habitude, les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, ce ne sera pas une analyse technique, un petit peu poubelle, j'ai envie de dire, dans laquelle je fais une analyse technique de la journée. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Bitcoin, mais surtout les cycles du Bitcoin. Comme on le sait pour la plupart, le marché crypto-monnaie ainsi que tous les marchés fonctionnent par cycle. Et c'est d'autant plus le cas sur le Bitcoin. On a des cycles haussiers qu'on appelle bull run. On a des cycles baissiers qu'on appelle bear market. Bull run tout simplement parce que le taureau qui court c'est un marché haussier. Et bear market tout simplement parce que l'ours quand il s'endort c'est un marché baissier. Donc on garde bien tout ça en tête étant donné que nous allons voir ensemble dans cette émission comment fonctionnent ces cycles mais surtout comment les apprivoiser. Donc comment faire en sorte de pouvoir à l'avance savoir quand est-ce qu'il faut acheter pour surfer les cycles haussiers, quand est-ce qu'il faut vendre pour sortir du marché afin de pouvoir être en sécurité sur les marchés baissiers. Alors les amis si cette émission vous plaît, si le menu vous plaît n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire vraiment ça fait super plaisir, cette vidéo a demandé un gros travail de recherche pour pouvoir vous l'expliquer et faire en sorte que tous et toutes vous puissiez comprendre ces informations mais surtout les appliquer à votre stratégie donc vraiment ça peut soutenir la chaîne, ça peut totalement me récompenser pour mon travail, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui vont y penser on va passer directement dans le vif du sujet, comme j'en ai parlé depuis le début, le bitcoin fonctionne par cycle, alors il y a évidemment entre les cycles des intercycles ça on pourra le voir ensemble dans une future émission, si cette émission vous aura plu, si je vois vraiment beaucoup d'entrain, des likes et si vous me le demandez dans les commentaires avec plaisir je vous ferai une deuxième émission sur les intercycles. Aujourd'hui, on va tout simplement voir les deux grands cycles du Bitcoin qui est le marché haussier, le fameux bull run ainsi que le bear market et on va voir surtout comment les identifier et qu'est-ce qui fait que le Bitcoin fonctionne ainsi depuis toujours et que normalement pour l'instant ça ne devrait pas changer. Et bien pour vous montrer tout simplement ici donc sur le graphique que vous voyez juste présent sous vos yeux, eh bien on a directement les différents cycles disséqués. Donc, donc on a ici sur les flèches vertes les cycles haussiers, donc les rallyes haussiers. Ensuite, on a sur les flèches rouges les cycles baissiers, les bear markets. Donc, on, en, on assiste à une très forte impulsion, puis le marché a besoin de corriger. On assiste à une très forte impulsion, puis le marché a besoin de corriger. On fait une très grosse impulsion, puis le marché corrige légèrement. Et on voit que voilà, les marchés haussiers nous permettent d'aller faire des plus hauts, de plus en plus hauts, puisque ce cycle haussier nous a ramené jusqu'au 1104 dollars. Ensuite, le deuxième cycle. Cycle haussier nous a ramené jusqu'au 20 644, troisième cycle haussier jusqu'au 67 864 dollars. Donc on voit que pour l'instant, le Bitcoin, malgré les cycles baissiers, eh bien, il continue de réaliser des nouveaux cycles haussiers qui permettent au Bitcoin d'afficher un prix encore plus haut, ce qu'on appelle un ATH. All time high, ça veut dire le prix le plus haut qui a été connu sur un actif. Au jour d'aujourd'hui, la l'ATH est aux alentours des 70 000 dollars sur le Bitcoin. On a par la suite connu ici un cycle baissier, donc on est ici peut-être enfin, j'ai envie de dire, dans ce départ d'un nouveau cycle haussier qui devrait nous permettre d'aller réaliser un nouvel ATH, donc un nouveau point plus haut sur le Bitcoin. À ah, où est-ce qu'il sera, ça c'est une analyse technique qui est encore différente, mais par contre, on peut se dire qu'il pourrait se trouver au-delà 70 000 dollars le bitcoin étant donné que jusqu'ici c'est ce qu'a toujours fait le bitcoin on a un cycle haussier puis un cycle baissier et le prochain cycle haussier vient casser le précédent plus haut. C'est la même chose ici, on corrige, on vient faire un cycle haussier, boum, on est venu casser le précédent plus haut. Donc de cette manière, on peut se dire que actuellement, après avoir connu du coup ce cycle baissier, on pourrait voir le prix du bitcoin d'ici peu, essayer d'aller chercher un nouveau point plus haut. On peut viser les 100 000 dollars, 120 000, 150 000, ce sont ici tout simplement des prédictions, il faut essayer évidemment euh, d'y appliquer un scénario. Maintenant, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, du prix exact. Le but est tout simplement de savoir dans quel cycle nous sommes encore actuellement. Est-ce qu'on est en cycle baissier ou est-ce qu'on a déjà connu la majeure partie du cycle haussier et donc bah, malheureusement de cette manière, il ne sert pas à grand-chose euh, de vouloir investir. Eh bien, le marché baissier, on va dire qu'il vient à peine de prendre fin. Donc ici, on voit qu'on commence à avoir un petit départ qui se fait sur le Bitcoin. Rien de très grand, le prix le plus Bas, le bottom sur ce bear market était ici les 15 686 dollars et on se trouve actuellement aux 28 000. On n'est pas vraiment beaucoup plus haut puisque je vous rappelle que l'ATH précédent était aux 70 000. Donc on a encore largement la place sur le Bitcoin de pouvoir continuer. En réalité, on est à peine en train de sortir de ce bear market. Donc autant vous dire que par rapport au cycle, tous les précédentes fois où on a eu cette possibilité ici d'acheter sortie de bear market, et eh bien ça a toujours été historiquement un point d'entrée sur le Bitcoin vraiment très intéressant puisque si on avait acheté dans ces eaux là ici on aurait tout simplement par la suite assisté à la grande ascension haussière pareil pour ici on aurait assisté directement par la suite à la grande ascension haussière donc on est actuellement dans un point d'entrée long terme qui peut être extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent acheter du Bitcoin sur du long terme et surtout potentiellement essayer de réaliser des profits puisque on est passé des 70 000 dollars le Bitcoin jusqu'au quasiment 15 000 dollars le Bitcoin donc sortie de bear market on est actuellement en train de connaître un petit peu de mouvement donc il y a des acheteurs qui commencent à rentrer sur le Bitcoin ce qui veut dire qu'on est potentiellement ici dans ce nouveau rallye haussier qui est en train de se construire donc pour les personnes qui se posent la question de est-ce qu'il est intéressant D'acheter du bitcoin sur le long terme en ce moment, et eh bien comme vous le voyez, oui, on sort de marché baissier donc c'est le meilleur moment. On vient de connaître une grande correction sur cet actif, et en plus de ça, on est en train de démarrer ce fameux cycle haussier qui est censé nous permettre du coup d'aller euh, casser et s'affranchir des 70 000 dollars, donc du précédent ATH. Donc, vraiment, ici, on a des points d'entrée long terme qui sont extrêmement intéressants. On est en train de sortir de ce cycle baissier donc on va assister à Potentiellement à un cycle haussier. Maintenant, la compréhension qu'il faut avoir aussi, c'est qu'est-ce qui fait que le Bitcoin fonctionne sur ces cycles. Pourquoi est-ce que on vient à chaque fois réaliser un très grand cycle haussier, puis on corrige, mais par la suite on repart sur un cycle haussier qui nous permet d'aller chercher des points plus hauts que les précédents. Eh bien, c'est tout simple. Lorsqu'on assiste au cycle haussier, la plupart du temps, la vraie impulsion haussière est donnée par un événement sur le Bitcoin qu'on appelle le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement le fait de diviser par deux le nombre de Bitcoins qui sont mis en circulation. Donc déjà, il faut savoir que le Bitcoin est un actif qui a une quantité limitée de jetons en circulation. On parle ici de 21 millions de bitcoins, pas un seul de plus qui seront mis en circulation. Et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà plus de 19 500 000 bitcoins qui sont en circulation. Donc l'offre quasiment totale est déjà en circulation. Il n'y a plus que ici 1 500 000 bitcoins qui vont être remis en circulation dans les plusieurs centaines d'années qui viennent. donc ça ici ça montre tout simplement que le bitcoin est une valeur dite refuge parce qu'il y a une quantité limitée de jetons il n'y en aura pas un seul de plus donc à un moment donné quand tout le monde détiendra des bitcoins eh bien on risque d'avoir vraiment du mal à pouvoir en acheter ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que chaque 4 ans environ, donc c'est ce qui représente environ un cycle complet entre marché haussier et marché baissier. Et eh bien, on assiste à un halving du bitcoin. Donc, on divise par deux le nombre de bitcoins qu'on vient mettre en circulation à nouveau. Donc, ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire que on crée à nouveau plus de rareté sur le bitcoin et que tous les quatre ans environ, il devient deux fois plus dur pour des personnes de pouvoir détenir du bitcoin. Donc, c'est extrêmement important à garder en tête et c'est surtout extrêmement pertinent puisque c'est ça qui nous dessine Cycle. On assiste au holding du Bitcoin, on assiste du coup à une très grande impulsion haussière parce que on a divisé par deux le nombre de bitcoins qu'on vient remettre en circulation. Ensuite, on assiste à un, pro, à un marché baissier puisque on a eu une énorme ascension haussière. C'est comme n'importe quel actif, on ne peut pas juste monter en ligne droite et ne jamais s'arrêter. Donc, on assiste à une correction. Évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui prennent des profits, donc qui vendent leur Bitcoin. Il y a des gros portefeuilles qu'on appelle des whales ou qu'on peut appeler aussi la smart money qui se mettent eux aussi évidemment à prendre des profit. Donc on assiste à un marché baissier, le Bitcoin se met à retracer. Et une fois que on a fini de retracer, généralement on entre déjà d'abord dans une phase de consolidation. Donc ici le prix consolide et après seulement on vient exploser. Donc la consolidation c'est Pré halving, donc c'est avant le halving du Bitcoin. C'est tout simplement ici le prix qui se met à latéraliser parce que il y a des gros acteurs qui actuellement achètent, qui continuent d'accumuler du Bitcoin avant ce fameux halving. Et dès que le halving a lieu, boum, la fusée est lancée, on voit le prix de l'actif repartir en flèche. Par la même occasion, on repart sur un bear market. On assiste ici à une consolidation, donc le prix consolide, boum, on explose et à ce moment-là, on repart ici de nouveau sur un cycle haussier, tout simplement parce qu'on a eu le halving du Bitcoin ici. Ensuite, on est de nouveau ici sur un point haut. On vient trouver ici le euh, bear market, la correction. Et après, on commence à avoir déjà ici une première réaction. Alors, ce qui se passe là sur le prix, c'est qu'on va potentiellement rentrer ici dans une phase de consolidation où on va ranger un petit peu. Tout simplement parce que le halving du bitcoin, le futur halving, il aura lieu seulement en mai ou en avril 2014. On est aujourd'hui le 4 avril 2023 à l'heure à laquelle je parle. Donc, il reste encore un an avant le prochain halving. Donc, lors de cette Consolidation, ce sera le meilleur moment de commencer à essayer d'accumuler du Bitcoin sur du long terme, parce que par la suite, on sera en fait en train de se positionner en même temps que les gros portefeuilles, que les whales, comme je vous les ai appelés au début de cette émission. Et bien, tout simplement parce que dans cette accumulation, ici, c'est là où la smart money, donc l'argent intelligent, se met à accumuler du Bitcoin. C'est pré-halving, c'est avant le halving. Donc, si vous vous mettez à accumuler dans cette consolidation, vous serez en position avant le halving, et par la suite, normalement, si le cycle se suit bien on risque d'avoir du coup cette impulsion haussière grâce au halving du bitcoin donc grâce à la division une fois de plus par deux du nombre de tokens qu'on met en circulation donc gardez bien tout ça en tête on va on est en train d'arriver actuellement en fin de bear market on arrive dans cette petite phase de consolidation normalement où la smart money accumule des positions et on a vraiment ici par la suite normalement cette possibilité de voir le bitcoin repartir en flèche grâce au halving du bitcoin donc le halving du bitcoin c'est un événement très important que vous devez comprendre c'est lui qui généralement permet de lancer un rallye haussier sur le bitcoin tout simplement et par la suite sur la majorité du marché crypto monnaie parce que le bitcoin c'est lui qui va driver le marché crypto monnaie donc quand il a son halving il part très fortement généralement toutes les liquidités vont vers lui donc c'est vraiment lui qui réalise les meilleures performances et une fois qu'on a réalisé vraiment un beau rallye haussier alors il commence à y avoir des investisseurs qui prennent des profits donc ils vendent leur bitcoin et ils achètent des altcoins donc d'autres crypto monnaies et ces autres crypto-monnaies, c'est à ce moment-là où elles vont connaître de très grandes performances parce qu'il y a des liquidités qui étaient sur le bitcoin qui vont aller sur ces altcoins. Et donc à ce moment-là, c'est elles qui connaissent leur fameux bull run, leur fameux marché haussier. C'est à ce moment-là qu'on entre dans ce qu'on appelle l'alcoin season. L'altcoin season, c'est tout simplement la saison dans laquelle les altcoins réalisent des meilleures performances que le bitcoin. Donc c'est juste après le premier rallye haussier du bitcoin. Donc très important à garder tout ça en tête. Ici, on a pas mal de cycles, pas mal d'informations. Donc gardez-les en tête. Ça peut vraiment vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut acheter quand est-ce qu'il faut vendre et avec cette stratégie des cycles que je viens de vous partager et eh bien vous allez avoir vraiment un gain de temps qui va être assez important tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à être derrière les graphiques tous les jours tout ce que vous devez faire c'est ce que je viens de faire ici c'est afficher votre graphique en grand sur une très longue unité de temps on est ici en weekly et ça vous permet de prendre du recul et de voir ok est ce que on est ici par exemple et donc j'achète après déjà un beau rallye haussier malheureusement et donc potentiellement que je me mets en insécurité ou est ce que j'achète en fait tout simplement en sortie ici de bear market donc à vous de vraiment vous situer en fonction du moment où vous regardez cette vidéo Vidéo, euh, par rapport au marché crypto si on est toujours ici dans cette phase de consolidation alors c'est parfait vous êtes ici au meilleur moment vous avez la possibilité d'essayer d'acheter du bitcoin avant le halving et surtout juste après le bear market donc c'est le meilleur moment par contre si on a déjà connu ici un rallye un peu de cette manière et qu'on est imaginons euh, là j'ai peut-être un petit peu abusé mais qu'on soit ici imaginons aux 69 000 dollars alors à vous de vous poser la question 69 000 dollars c'est pas loin du précédent ATH alors certes on risque d'aller le dépasser mais ça vous fait vous mettre un petit peu plus en insécurité tout simplement parce que vous achetez après un rebond, après qu'un actif ait déjà réalisé une belle partie de sa croissance, de sa performance. Donc prudence par rapport à ça, c'est pour cette raison que vous devez maîtriser ces cycles. Tout simplement parce que quand vous voyez qu'on arrive sur une fin de cycle baissier, alors vous pouvez potentiellement essayer de chercher un point d'entrée sur l'actif en question. Et après, vous n'avez plus rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est à ouvrir votre portefeuille tranquillement toutes les semaines et à voir à où est-ce qu'on en est. Est-ce que le bitcoin est enfin en train de sortir de sa consolidation Et oui ok on a cassé les 50 000 donc c'est potentiellement le moment où bah, vous restez en position vous êtes très bien et on voit ici tout simplement l'actif aller dépasser potentiellement son ATH donc c'est ici la possibilité de devenir un investisseur intelligent et aussi passif c'est la possibilité d'entrer en position une fois sur les meilleures zones possibles et de laisser votre position par la suite. Vous devrez simplement, au bout d'un moment, vous connecter pour pouvoir euh, voir quand est-ce que vous allez prendre des profits. Donc fixez-vous des objectifs à l'avance. Hein. Si vous entrez en position sur cette consolidation, imaginons, alors fixez-vous des objectifs. Ok, si le Bitcoin atteint les 100 000, je vends 25 de ma position. Quand il est aux 125 000, je vends encore 25 125 000, 25 et etc. etc. Jusqu'à arriver à votre prise de profit entière et globale. C'est très important de prendre des profits. La plupart des investisseurs ou même des traders, sont euh, la plupart du temps perdants à cause de ça parce que ils voient leur portefeuille croître ils se disent ok on est sur une phase haussière ça ne s'arrêtera jamais finalement ils ne prennent jamais leurs profits et qu'est ce qui se passe par la suite Eh bien on a le grand marché haussier mais on a aussi le grand marché baissier donc là je ne l'ai pas fait très joliment mais on a aussi voilà après le cycle baissier ce qui fait que du coup ils auraient pu vendre ici et finalement en fait ils commencent à se mettre à vendre bien trop tard et une grande partie de leurs bénéfices ont été directement annulés donc très important pour un investisseur même sur du long terme de prendre des profits petit à petit. Donc voilà un petit peu ici pour les cycles long terme. On voit les cycles haussiers et les cycles baissiers, mais il y a aussi ce qu'on appelle les cycles psychologiques. Les cycles psychologiques sont très importants à prendre en compte et vous allez voir que là, maintenant, actuellement, ils jouent un rôle qui est crucial. Alors juste avant de vous les montrer, les amis, j'ai mis directement en description le lien de mon groupe Telegram. C'est un nouveau groupe Telegram que je viens de lancer qui est tout à fait gratuit. Vous pouvez nous rejoindre directement et gratuitement. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir des analyses d'insider du marché crypto monnaie euh, des analyses aussi euh, on-chain qui nous permettent de tracer directement que font les whales, donc que fait la smart money, quand est-ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils vendent, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la smart money, les whales, ce sont les plus gros acteurs du marché crypto monnaie c'est eux qui réalisent les meilleures performances. Donc nous, on les traque au quotidien et on vous partage un maximum d'analyses. Donc n'hésitez pas si vous voulez accéder à toutes ces analyses techniques, on vous partage aussi évidemment des analyses d'alcoins, euh, certains actifs qui... Sont dans de très belles dispositions pour les personnes qui ont envie d'être un petit peu aiguillées sur leur investissement. Donc n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Rejoignez le groupe Telegram et vous allez voir que concrètement vous allez obtenir un avantage certain sur le marché pendant cette année 2023, mais aussi et surtout pour le bull run de 2024. Donc voilà, chose dite pour les personnes qui veulent, n'hésitez pas. Attention, évidemment, il risque d'y avoir des places limitées parce que moins plus il y a de personnes, moins on peut prendre de temps pour discuter. Et vous le savez, c'est pas ce qu'on donc on va restreindre un petit peu les places donc n'hésitez pas à passer à l'action assez rapidement au moins vous vous faites une place directement dans le groupe. Alors pour les cycles psychologiques et eh bien on est directement ici sur ce schéma. Ce schéma est très intéressant parce qu'il nous retrace euh, premièrement les grands cycles, les grandes lignes. Donc, on a ici par exemple le marché haussier. Donc, là, ce qui, cette flèche verte là, eh c'est tout simplement ici. Ça part du disbelief, donc dans le moment, dans une zone où personne n'y croit, tout le monde se dit non, 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 on est en marché baissier, on va encore partir plus bas. Et on voit que boum, on commence à tranquillement partir à la hausse. Et en fait, le marché, eh bien, il fonctionne par cycle psychologique parce qu'en fonction d'à quel stade on est, en fonction de cette impulsion haussière, donc si on est par exemple ici de l'impulsion haussière, et eh bien ici on est à un certain cycle psychologique. Ici, on va être à un autre psy cycle psychologique. Et là-haut, on va être encore à un autre cycle psychologique. Parce qu'on a ici, en fait, euh, tout simplement, graduellement, les, les émotions des investisseurs qui changent. Donc là, on arrive dans le hope, après avoir fait déjà une, une première impulsion haussière. Les gens commencent à re re redécouvrir le marché crypto, à se dire à nouveau, OK, c'est possible, peut-être qu'il se passe quelque chose, donc on va mettre quelques billes. Mais ils ne mettent pas encore beaucoup, beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore sûrs. Ensuite, on continue le rallye haussier et là on arrive dans ces phases d'optimisme les phases de croyance la phase dans laquelle on est sûr et certain que ça y est le marché est reparti et on va partir encore beaucoup plus haut et ensuite on arrive dans la phase d'euphorie, c'est la phase dans laquelle tous les investisseurs sont gagnants sur le marché crypto et ils ont l'impression du coup que ce sont des génies, que ça y est, c'est parce que eux savent exactement, ils ont des, une analyse qui est bien différente, qui est meilleure que les autres et ils savent ça va continuer à la hausse et qu'est-ce qui se passe par la suite, et eh bien on se met à corriger et là on rentre dans une nouvelle phase psychologique, donc la phase baissière cette fois-ci ici et donc dans cette phase baissière, on a aussi des étapes intermédiaires de psychologie. On a ici la complacency donc on dit OK, c'est pas grave, on a déjà réalisé un grand mouvement haussier, donc c'est normal qu'on corrige un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'on va juste légèrement corriger et ensuite on va repartir très fortement. Et finalement, non, on corrige plus bas. Et là, on a corrigé plus bas, mais la plupart des gens n'ont pas pris de profit, donc ils ont déjà un petit peu peur et on entre dans cette phase d'anxiété. Ils sont anxieux, ils se disent ah, ah purée, j'aurais dû vendre, mais bon, maintenant je suis dedans, est-ce que j'attends OK, on on va peut-être rebondir encore, je sais pas. Bref, c'est le moment où il commence un petit peu à être en panique. Et ensuite, on arrive dans la phase de la, la phase de c'est la phase de déni c'est la phase dans laquelle les gens. Étaient potentiellement assez gagnants. Ils n'ont pas pris profit du coup sur ces tops euh, là-haut, puisqu'ils étaient euphoriques. Et là, maintenant, on est dans une correction qui les a ramenés à break-even, donc euh, au point auquel ils ont commencé à investir. Et là, ils se disent Ah, purée, j'étais bien, j'avais gagné de l'argent, j'ai pas pris mes profits. Bon, c'est pas grave, ça va remonter, ça va remonter. Et ils sont donc dans cette phase de déni. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Boum, on corrige encore plus fort. Et là, on arrive dans la phase de panique. Les gens paniquent, ils ont ici euh, effacé tout, tout leur gain, potentiellement même qui sont en perte et donc ils commencent à essayer de vendre en catastrophe là où comme vous le voyez ici ils vendent la panique c'est au moment où la correction a déjà eu lieu sur la majeure partie de la correction elle a déjà eu lieu on parle ici de 70% au moins de la correction et les gens c'est à ce moment là qu'ils paniquent c'est maintenant qu'ils vendent donc c'est pour vous montrer à quel point la psychologie du marché la psychologie des investisseurs est vraiment très mauvaise sur la majeure partie des investisseurs parce qu'ils ne comprennent pas ces cycles ils ne savent pas se repérer dans ces cycles donc apprenez vraiment à vous repéré parmi ces cycles et vous allez voir que vous allez avoir un avantage certain. Si vous arrivez à comprendre vos propres émotions, quand est-ce que vous êtes optimiste, quand est-ce que vous êtes dans la croyance, quand est-ce que vous êtes euh, euphorique, alors à ce moment-là, vous allez avoir vraiment un avantage certain. Et donc là, la panique, tout le monde se met à vendre, on arrive ensuite dans la phase de capitulation où les investisseurs ne veulent même plus entendre parler du marché crypto-monnaie, ils disent que c'est de l'arnaque, ils ont perdu de l'argent alors qu'avant ils étaient gagnants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Et après, on commence, comme vous voyez, on va partir encore un petit peu plus bas donc on, on fait carrément créer ici cette de l'énervement pour les investisseurs la phase de anger tout le monde dit mais attends mais je vais commencer à shorter le marché euh, pourquoi est-ce que le marché est parti aussi bas euh, maintenant je pensais que le marché crypto monnaie c'était l'avenir et finalement ça ne l'est pas bla 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 que du blabla bla. et finalement on arrive dans la phase de dépression les gens sont plus dans le marché crypto ils ne mettront plus un seul euro mais qu'est-ce qui se passe par la suite bah évidemment hein, comme tous les cycles les marchés baissiers pour les gens qui sont sur le marché crypto depuis longtemps ils le savent ici là où on arrive dans la phase de dépression, pression et bien en fait c'est le moment où on va potentiellement repartir à la hausse là où tout le monde est sorti là où tout le monde s'est dit ah c'est la fin bah en fait non c'était le début du potentiel rallye haussier du potentiel deuxième rallye haussier donc, on repart dans cette phase où on commence à rebondir et on arrive dans la phase de disbelief, puisque tout le monde était en dépression, il n'y a plus personne qui croit en ce rebond. Tout le monde se dit, mais c'est un petit rebond, mais on va rechuter encore plus bas, on va aller à zéro, ça y est, je mets pas un seul centime, j'y crois pas à ce rebond. Et en fait, ben, bah, on arrive en fait dans cette phase. Là, au jour d'aujourd'hui, on est dans cette phase de disbelief. On est dans la phase où, comme vous le voyez à cet endroit-là, on a déjà commencé à poser le bottom. Donc, le bottom, c'est quoi C'est tout simplement le point bas. Après le bear market, c'est le point sur lequel le prix commence à rebondir et potentiellement le prix qu'on ne reviendra plus chercher. Et donc on est déjà en train de partir tranquillement. Là, on est déjà en train de faire un petit bout de chemin. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va être d'abord dans cette consolidation. Donc ici, le prix va se mettre à consolider à l'intérieur tranquillement. Mais dès lors que on sera vraiment proche du holding, on risque d'avoir un gros rebond. Et donc c'est vraiment ici cette phase de disbelief, la phase dans laquelle nous, les investisseurs intelligents, on essaye de rentrer. Alors déjà potentiellement nous on est déjà rentré en partie ici sur ce petit W qui est rentré mais ici on continue d'accumuler tout simplement parce que la phase de disbelief c'est la phase dans laquelle les gens n'y croient pas et si les gens n'y croient pas et eh bien la smart money va continuer de pousser le prix et donc le prix va pousser 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 tout le monde ici qui s'était mis à vendre à ce moment-là va commencer à acheter quand on sera là-haut. Et quand on sera là-haut, ben à ce moment-là, la smart money va faire de nouveau chuter le prix. Et donc, tout le monde va être de nouveau dans cette phase de dépression parce qu'ils n'ont pas acheté ici, ils veulent acheter là-haut. Finalement, c'est le top de marché. On corrige à nouveau, on rentre à nouveau dans cette phase de bear market et les gens ont de nouveau perdu de l'argent. Parce qu'il est très, très, très important de comprendre que aujourd'hui, l'arme fatale pour un investisseur, c'est son. Point d'entrée. En fonction de là où vous entrez sur le marché crypto-monnaie, vous allez être gagnant ou perdant. C'est très important à comprendre. Et pas seulement parce que, bah, évidemment, si on achète ici, évidemment qu'on va être gagnant. Non, c'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'en fonction de là où vous allez acheter, vos émotions vont rentrer en compte. Si vous achetez dans la phase de thrill, c'est la phase dans laquelle euh, tout le monde est déjà en train de croire que le, ma le marché crypto va continuer de partir à la hausse, etc., sans regarder en arrière, sans regarder tout le mouvement haussier qu'on avait déjà fait, bah, potentiellement que oui, par la suite, on va passer directement sur une correction, vous n'aurez à peine vu votre portefeuille dans le vert que boum, il est déjà dans le rouge et là vous allez faire n'importe quoi. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que nous, il faut qu'on essaye d'acheter plutôt dans l'énervement, dans la dépression ou alors dans la phase de disbelief. C'est ces trois, ces trois phases psychologiques dans lesquelles les investisseurs intelligents achètent. Et à l'inverse, quand est-ce qu'on vend Évidemment, eh bien on vend quand on arrive dans ces phases ici de thrill, donc les phases où tout le monde pense que ça y est, le marché crypto va partir euh, sur un million et que euh, ça va partir très très fort. Et la phase d'euphorie, la phase où tout le monde est gagnant, tout le monde a envie d'acheter encore et encore, t'entends ton coiffeur qui te dit achète des crypto-monnaies, on a le peintre, notre peintre tout simplement qui nous dit ok t'inquiète moi je suis en train actuellement de réaliser du DCA, bref, tout le monde parle des crypto-actifs, et là c'est à ce moment-là que nous les investisseurs intelligents on se met à vendre et à prendre des profits. Donc comprenez bien cette phase tout simplement. Ici on a les phases dans les grandes lignes. Donc phase haussière, phase baissière, phase haussière, phase baissière. Et dans ces grandes lignes de phase haussière et de phase baissière, on a cette euh, ce, ce, ce schéma de psychologie du marché. Donc là c'est la phase haussière. Le début commence dans le disbelief, là où personne n'y croit, et ensuite on arrive dans ces cycles hope, optimisme, belief, thrill, euphorie, et après on commence à marcher baissier à nouveau. On corrige. Là c'est complacency, donc tout le monde se dit ok c'est pas grave, euh, c'est normal, on corrige un petit peu. Ensuite anxiété, le déni, la panique, la capitulation. L'énervement et la dépression. Donc, ça, c'est les phases sur euh, les cycles, le cycle baissier et ça, ce sont les phases psychologiques sur les cycles haussiers. Donc, vraiment, vraiment, les amis, appliquez ces cycles sur votre portefeuille. Vous allez voir que ça va faire complètement la différence. Le maître mot par rapport à ces cycles, c'est tout simplement la Patience. Si vous êtes patient et que vous apprenez à attendre un bon point d'entrée et que vous apprenez aussi à appliquer votre stratégie, donc à vendre quand vous vous étiez dit que vous allez vendre, alors à ce moment-là, vous allez voir que vous allez pouvoir être un bon investisseur long terme, obtenir des bons points d'entrée et prendre des profits en cours de route afin évidemment bah, de pouvoir avoir du capital à nouveau par la suite pour réacheter si jamais on est reparti sur un marché baissier. Donc vraiment, vraiment appliquez ces stratégies et vous allez voir que vous allez avoir... Concrètement des résultats. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, c'est tout à fait gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logique et on va voir ensemble quel type de résultats vous pouvez obtenir de manière presque totalement passive juste en utilisant ces cycles sur le marché crypto-monnaie. Ok, la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère vraiment et concrètement qu'elle pourra vous aider sur l'avenir. Je sais à quel point elle permet d'avoir une avance considérable sur la majeure partie des investisseurs du marché crypto-monnaie. Tout simplement parce que quand on n'a pas conscience qu'il y a des cycles sur le marché, eh bien, on ne sait pas se repérer sur le marché. On ne sait pas à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a déjà réalisé une grande partie de la phase haussière Est-ce qu'on sort de la phase baissière On n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire cette émission donc vraiment les amis si vous voulez faire plaisir à un ami vous voulez lui faire comprendre comment investir un petit peu plus intelligemment n'hésitez pas à partager cette vidéo il faudrait qu'elle soit vue par le plus de monde possible parce que ça va vraiment leur permettre de réaliser bien moins d'erreurs sur le marché crypto monnaie de savoir se repérer et aussi bah, toute la question là où tout le monde se pose bah, quand est-ce qu'on achète quand est-ce qu'on vend et ben bah, grâce au cycle en apprenant à se repérer dans ces cycles vous allez pouvoir concrètement savoir quand est-ce qu'on achète quand est-ce qu'on vend et le tout de manière passive sans que ça vous prenne euh, des heures et des heures tous les jours, d'accord? Donc, vraiment, les amis, n'hésitez pas pour une fois. J'invite au partage de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera vue par un maximum de personnes. Ça a pris pas mal de temps pour pouvoir vous l'expliquer simplement, concrètement, mais je sais que ça vaut le détour. Donc, les amis, comme d'habitude, rejoignez la grande team logique. Pour les personnes qui ce n'est pas encore fait non plus, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Euh, on vous partage un nombre d'indications, d'indicateurs, de stratégies, d'analyses techniques. On vous partage des news, des activités. Bref, on vous partage tout ce que vous devez avoir entre les mains sur le marché crypto-monnaie pour pouvoir mieux vous repérer et pour pouvoir investir intelligemment et sereinement. Donc, sur ces beaux mots, les amis, je vous laisse. J'espère vous revoir de l'autre côté sur Telegram. C'était Adam de Cryptologique. Et comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.